On va pas devenir comme nos parents. Non. Jamais. Ah non. En plus, 16 ans d'écart, c'est franchement idéal. On sera proche d'eux, on les comprendra et... Ouais. Ouais, y aura on les pas comprendra le, trop le choc bien. Des générations. Ouais. Et puis, ils seront tous comme frères et sœurs. Enfin, ouais. On sera comme une grande famille. Ouais, si on fait pas de gosses, on peut quand même faire partie de la communauté hippie ou... Ça n'a rien à voir avec une communauté hippie. C'est toi, les hippies. 17 filles traitent de 17 jeunes filles qui décident de tomber enceinte simultanément. Was führt Mädchen so weit zu gehen, über ihren eigenen Körper so eine weittragende oder so eine wichtige Entscheidung zu treffen? En fait, tout l'enjeu du film, c'est justement qu'on ne sait pas pourquoi elles font ça et comment ça va finir. Lors de l'échographie de Camille, on voit dans son regard, l'actrice arrive à dégager dans son regard quelque chose de très très sincère. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau. Mais surtout, on n'entendra plus jamais les réflexions du style « range ta chambre, viens manger, refais ton lit ». Non mais refaire son lit, quoi, j'ai jamais compris. Es war schon so, dass im Kino auch gelacht wurde teilweise. Gleichzeitig behandelt der Film natürlich auch ein sehr ernstes Thema und wir fanden es halt gut, dass der Film da die Balance so hält, dass er das Thema nicht zu ernst anpackt, aber trotzdem rüberbringen kann, worum es geht. Wie die Gesellschaft darauf reagiert, dass das Mädchen in einer großen Gruppe den Schritt wagen, so weit zu gehen, sich ganz entschieden gegen ihre Eltern zu positionieren, diesen krassen Schritt zu gehen. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de vieillir, ils ont peur de mourir, ils ont peur de faire leur boulot. Juste vinemerde.com, quoi. Moi, carrément, ma mère, elle veut plus me parler. Moi, j'ai même pas dit.